Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui peut paraître simple, mais en même temps un petit peu compliquée. Que faire quand son enfant reste trop longtemps sous la douche? Ah oui, un éternel problème. Quotidien même, on peut dire. Bon, en fait, d'abord lui expliquer avant tout que s'il veut rester sous l'eau longtemps, eh bien, il existe la piscine. Hein. Et la piscine, on peut nager, on est bien, on est dans l'eau. Voilà. Et puis, on paye moins d'eau à la fin du mois. Mais, il faut aussi lui expliquer qu'en fait, la douche, c'est pas comme la baignoire ou le bain. Hein. À un moment, l'eau elle monte, hein. Bien sûr, on se rend compte que le niveau est trop haut et que là, il faut arrêter l'eau. Mais sous la douche, l'eau elle monte pas. Ah non, 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 non. Ça, pour le coup, il n'y a aucun risque de se noyer pour lui. Mais pour nous, c'est embêtant parce que, au bout de 20 minutes, quand même, on aimerait bien prendre sa douche. Bon, ben, que dire? Oh ben, moi j'ai une solution. Hein. Je pense que la plus simple, vous coupez l'eau. Ah bah oui, là, comme ça, il n'y a plus d'eau. Et là, c'est fini. Voilà, il sort.